to split. Freaking awesome! Let's go! Dude, chill! I got this! Eh bien, bonsoir tout le monde, ici Trong, et aujourd'hui, petite nouvelle article. Cette fois, je vais vous parler de la licence de Dead Island, et surtout de Dead Island 2. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est Dead Island, je vais vous expliquer. Donc, ça se passe dans une île, avec des zombies, donc voilà. Et vous jouez donc un survivant qui est immunisé contre le virus zombie, donc voilà, dans le tout premier qui est sorti sur... PS3, Xbox 360, hein, qui avait fait un grand succès. Donc voilà, c'était un jeu en coopératif à 4, comme vous pouvez choisir 4 personnages. Il y a eu un très grand succès, hein, tellement qu'il y a eu un succès qu'une suite qui est sortie qui s'appelait Dead Island Riptide. Donc voilà, donc cette suite, donc toujours dans une nouvelle île avec des zombies, et cette fois il y a 5 survivants, donc le cinquième qui est un nouveau personnage qui était aussi immunisé contre le virus zombie. Donc dans ce jeu, c'est plus un jeu où on pouvait utiliser des armes blanches, parce qu'au début, oui, vous avez des armes à feu, mais au début, vous avez que des armes blanches, hein, que vous pouvez customiser, à la style, on va dire, un peu à la Dead Rising, donc voilà, des haches avec des flammes, des trucs, des épées électriques, voilà, pas mal de trucs. Et ils avaient prévu, voilà, d'en parler de Dead Island 2, donc voilà, comme vous voyez sur cette article, ils ont parlé que Deep Silver allait faire Dead Island 2, on a eu un teaser que vous avez vu au début de ma vidéo, on a eu une bande-annonce là, qui avait l'air une tuerie, là j'en ai vu une vidéo récemment qui a l'air encore pas mal. Et pour les joueurs PC, donc il se peut Deep Silver a signé un accord exclusif avec Epic Games Store, donc le jeu sera sur le store d'Epic Games. Non, c'est m'étonne pas d'eux qu'ils aiment bien avoir des grandes licences Epic, hein. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et aussi j'ai vu un autre article qui parlait avant qu'on l'apprenne, l'abandon portable de la version PS4 et Xbox One et la date de sortie. Donc oui, il y avait une date, il devait sortir sur PS4 et Xbox One, il a été abandonné. Après voilà, et là il refait surface. Est-ce que la question est-ce qu'il sortira sur PS4 ou Xbox One, ou est-ce qu'il sortira sur les consoles, sur les dernières consoles d'Eject, donc la PS5 et la Xbox Series X, ça la question, hein. Donc voilà, on a pas vraiment grand chose, mais voilà, c'était pour vous montrer, donc pour ceux qui veulent l'acheter, ceux qui veulent le jouer sur PC, donc il sera sur le store d'Epic Games, et moi j'ai peut-être un jour à la sortie, j'aimerais bien me le tenter, hein, moi que je suis un grand fan de la licence, hein. Peut-être aussi, peut-être je referai les premiers. C'était Trong, et je vous dis... I'm gonna feel like I walk on water. I'm just a human.